Ce vif débat sur la nationalité suscite des réactions épidermiques. Certains analystes qualifient de boîte de Pandore cette affaire qui est révélatrice de l'hypocrisie de la classe politique congolaise. Si la loi interdit la double nationalité, l'Assemblée nationale et le Sénat comptent paradoxalement plusieurs dizaines de binationaux. Ces parlementaires parfois pointés du doigt ont, pour la plupart, acquis le passeport du pays où ils ont vécu ou étudié. Je suis natif du Katanga. Certains qui sont au pouvoir dans notre pays ne peuvent pas en dire autant sur leurs origines, a affirmé Moïse Katumbi, comme pour rappeler à ses concitoyens que son cas n'est pas unique sur la scène politique. À qui faisait-il allusion? Mister? En 2007, les « étrangers » qui siègent au Parlement avaient bénéficié d'un « moratoire » de 3 mois pour se mettre en conformité avec les textes. Une commission ad hoc devait se pencher sur ce dossier et faire des propositions. Inutile de préciser qu'au bout du compte, le débat avait été discrètement enterré. La commission n'a jamais rendu son rapport. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com.